Cette semaine, c'est persil, poireaux, bêtes, navets et pommes de terre. Et il ne faut pas oublier la recette. 5 variétés de produits de saison dans un panier chaque semaine, c'est le principe des paniers bio mis en place par l'association ACR. Tous les jeudis, ils sont une petite centaine d'adhérents à venir chercher leurs légumes dans la cour de l'ancienne mairie de Vauréal. Il y a vraiment une différence entre, on va dire, les légumes de l'industrie agroalimentaire et puis ce qu'on peut faire dans son jardin de manière naturelle. Bon, d'abord gustativement, et puis même au niveau des prix, c'est pas comparable. La cotisation annuelle à l'association est de 20 euros, et ensuite les adhérents achètent leur panier pour 10 euros. C'est économique, mais surtout, derrière ces paniers de légumes, il y a un véritable travail de réinsertion professionnelle. Pour l'association ACR, les jardins de Vauréal sont avant tout un outil pour leurs 15 salariés, tous en marge du marché du travail. En cultivant ces parcelles mises à disposition par l'association, ils réapprennent à respecter des horaires, à travailler en équipe, un premier pas vers un retour à l'emploi. On est en train de faire des trous pour planter les pommes de terre, quoi. Et puis, après, il y a des gens qui passent derrière, qui les mettent, et puis après on rebouche, quoi. C'est un peu fatigant, mais bon. C'est le métier qui rentre. Il faut bien travailler. Hein. Chaque année, c'est une trentaine de personnes qui passent par les chantiers de réinsertion de l'association ACR. 30% retrouvent directement un emploi, et pas seulement dans le secteur agricole. L'idée, c'est qu'on se sert de ce support comme vecteur d'insertion. Donc à partir de là, bien sûr que les sorties de ce dispositif restent ouvertes. Donc c'est bien sûr des emplois de tout type, aussi bien dans la grande distribution que dans des services de municipaux ou techniques des villes. C'est aussi donc une large gamme d'emplois. L'association ACR cultive actuellement 3 parcelles de légumes sur Vauréal et Cergy, mais un nouveau terrain vient de leur être proposé par la ville de Cergy. L'équipe de l'association voudrait y planter des arbres fruitiers pour proposer à ses adhérents des paniers bio associant des légumes et des fruits.